Good morgen, Aleiden, les tueurs aujourd'hui, les Louinishmat, Peggy Batester, Liz, Aliza, Batfrechaz, Rabat Mazaltov, Shish Portish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin Parikvav Mishnah Bet. Hayarachok mi bet askila ke eser amot, omrim lo hitvade, sheken derech amumatin mitvadin. שכל המתוודא יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו באחן שאמר לו יהושע, בני שימנה כבוד לשם אלוקי ישראל ותן לו תודה וגומר, והיה נחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי וחזות וחזות עשיתי, ומניין שכיפר לו וידויו, שנאמר, ויאמר יהושע, מאחרתנו יעקורך השם ביום הזה, היום הזה אתה אחור ויהיה אחור לעולם הבא, ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור תהה מיתתי כפרה על כל עוונותיי. רבי יהודה אומר, אם היה יודע שהוא מזומם, אומר תהה מיתתי כפרה על כל עוונותיי, חוץ מעוון זה. אמרו לו, אם כן יהיו כל אדם אומרים כך, כדי לנקות את עצמן. En arrivant, traduit tout de suite, היה רחוק מבית השכילה כעשר אמות. Lorsqu'il arrivait à une distance du lieu de l'exécution, du Bet Askila, du lieu où on allait le lapider, à une distance de 10 amot, une amas, c'est l'équivalent de près de 50 cm, donc 5 mètres à peu près en arrière, avant d'arriver donc au bord de la Askila, de là on va le lapider, on va le pousser à une hauteur de quelques mètres, comme on va le prendre dans le prochain Mishnayot. Alors, Omrim lo hitvade, avant d'arriver au bord, on lui dit, commence déjà par faire être mitvadé, faire un vidouille, reconnaître ta faute, faire teshuvah, d'accord, comme on fait à Shamnu Baganu, on reconnaît nos fautes, là aussi on le dit hitvadé. Pour quelle raison? Tout d'abord, comme la Mishnah va le dire ensuite, tout de suite même, Sheken derech amumatin mitvadin, car tel est l'usage de ceux qui sont condamnés à mort, ceux qui sont exécutés, ils doivent auparavant faire teshuvah. Reconnaître leur faute, leur averot, chez kol amitvadei yesh lo chelek la'olam haba, car tout celui qui a fait même une grave avera, mais qu'au moment de mourir, d'être condamné à mort, en tout cas en l'occurrence ici, mais même de manière générale, il est mitvadei, il reconnaît ses fautes, il se repentit, yesh lo chelek la'olam haba, il aura part au monde futur. D'où on apprend ça? On va nous raconter là une longue histoire. Avant de lire et traduire, je vous raconte l'histoire très rapidement. La deuxième guerre du Ham Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, donc sous l'égide de Yoshua, ils ont d'abord conquis la fameuse conquête de Yericho en faisant les sept tours avec les chauffards. Après, il y a eu ce qu'on appelle la Milchemet Ha'ai, la guerre de Ha'ai. Il y avait une ville qui s'appelait Ha'ai, c'était une petite ville où normalement ils auraient dû finir l'histoire en quelques heures en envoyant une poignée de militaires, et ça s'est transformé en grande catastrophe. Il y a eu là-bas 36 morts ou un mort qui valait comme 36, il valait comme tout le Sanhedrin, peu importe. En tout cas, il y a eu. Les Bnei Israël ont perdu le premier combat. Et Yoshua, là-bas, il a déchiré ses habits. Il a pris Hachem, il a dit, Hachem, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu avais dit que j'allais être comme Moshe Rabbeinu, que tu allais nous diriger. Hachem, il s'est dévoilé à Yoshua, il lui dit, qu'est-ce que tu te plains? Va inspecter autour de ton peuple, tu vas découvrir qu'il y a un grave problème dans le peuple. En réalité, il y avait une personne. Donc il y avait tout un procédé, comment est-ce qu'il a fait pour découvrir, parce qu'Hachem ne voulait pas dénoncer. On apprend d'Hachem qu'il ne faut jamais dénoncer quelqu'un, même qui a fait une avéra. Mais il a dit, le choix débrouille-toi tout seul, il a fait tout un système pour découvrir quelle avéra il y avait. Là-bas, on a découvert quelqu'un qui s'appelait Achan. Achan, c'était quelqu'un qui avait fait un sacrilège, à plusieurs reprises même depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, là, comme on raconte longuement, où il avait volé, il a fait plusieurs avérotes, mais une des graves avérotes, c'était d'avoir volé du butin des guerres. Alors que tout le butin était sanctifié pour Hachem, c'était dans les premières guerres qu'ils avaient fait de Yericho, et même à l'époque de Moshe, ils sanctifiaient une partie du butin, même tout le butin, pour le Mishkan, pour la Vodat Hachem. Et donc si c'est Kadosh, c'était interdit d'aller se servir. Et il y a eu là-bas Achan qui avait convoité quelques objets, il les a pris pour lui. Et suite à ça, c'est un interdit aussi grave que celui qui transgresse l'interdit de jurer Bechem Hachem. Parce que quand on est Magdish, on sanctifie avec le nom d'Hachem, et donc il a fait un sacrilège très grave. Et suite à ça, il y a eu cette Magepha. Alors Yoshua, il a fait tout un système pour découvrir, en passant selon les tribus, par le Goral, tout un procédé à raconter là-bas dans le Navi, jusqu'à qu'à la fin on a trouvé Achan, c'est tombé sur Achan. Achan, il a commencé à vouloir nier les faits, puis après on lui a dit, Achan, c'est plus le moment, dis la vérité. Achan, il a reconnu
sa faute. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Shekel matzino be'achad, comme ce qu'on a trouvé avec Achad, avec l'histoire de Achad. Shamarlo Yoshua, que Yoshua lui a dit, béni, mon fils, simna kavod l'Hashem Eloke Israël, donne, rend honneur à Hashem, le Dieu d'Israël. Veten lo toda, et reconnais lui, reconnais ta faute, que le malheur qui a frappé le peuple d'Israël n'était pas juste parce qu'Hachem ne contrôle pas, chas v'shalom, toute la situation, mais c'était bien parce qu'il y avait une grave avéra qui était réalisée au sein du peuple. Alors, Vayan Achan et Yoshua, Achan a répondu à Yoshua, Vayomer, Omna Anochi Chatati. Effectivement, j'ai fauté, Vekazot, Vekazot Asiti, et là-bas la Gemara explique tous les Kazot, Vekazot, toute la verote qu'il a pu transgresser, ce monsieur. Et alors, d'où on apprend maintenant que grâce à ce vidouille, au fait d'avoir reconnu sa faute, d'où on sait qu'il a été ensuite pardonné dans le ciel, au Ménèche qui perd l'eau vidouille, d'où sait-on que ce vidouille lui a permis de se faire expier sa faute, chez Nehemar, comme dit le verset, « Vayoma Yoshua, me'achartanu ya'korcha Hashem bayom azeh » Yoshua lui a dit, avant de l'exécuter, il lui a dit comme ça, une phrase ainsi en lui disant « Me'achartanu, autant que tu nous as salis, ya'korcha Hashem bayom azeh » Hashem va te salir en ce jour. Pourquoi il a rajouté ça en disant « en ce jour »« Hayom azeh ata'achur, ve'ata'achur lecha ya'olam haba »« Ve'ata'achur la'olam haba » Aujourd'hui, tu vas être sali, brouillé, sali, mais tu ne seras plus sali pour le monde futur, tu auras le droit de te relever, mitriat amitim, et hériter le monde futur comme tout le Ham Israël. Maintenant, la Mishnah reprend le cours du vidouille. Ve'yemeno yodea leitvadot, s'il ne sait pas se repentir, reconnaître ses fautes, on n'arrive pas à l'aider, je ne sais pas pourquoi il peut ne pas savoir, alors on lui dira, horrible, on lui dira, dis au moins cette phrase générale en disant, est mort, ta guide, dis, tehe mitati kapara al kol avonotai, que ma mort, ma condamnation à mort, donc ma mort, soit une kapara, une expiation al kol avonotai, sur toutes les fautes que j'ai faites durant toute ma vie. Rabbi Yehuda Omer, maintenant Rabbi Yehuda vient et ajoute un élément intéressant en disant, ima yayodea shu mezumam, si pour cette condamnation à mort, le pauvre condamné sait qu'en réalité, il est le fruit d'un coup monté, des faux témoins sont venus témoigner contre lui, il sait qu'il est donc le fruit d'un coup monté, le Bedin, il n'a rien pu y faire. Il a interrogé les témoins, il a conclu qu'il était condamné à mort. Ils ont réussi à très bien mentir. Mais en tout cas, lui-même sait, personnellement, il sait pertinemment qu'il n'a pas transgressé cette faute et qu'il n'est pas condamné à mort. Alors il dira, Omer, il dira, Tehe mitati kapara al kol avonotai chus me avonze. Il aura le droit de dire que ma mort soit mon expiation pour toutes mes fautes, sauf cette faute. Parce que je ne suis pas coupable. Il pourra le dire. Amrou lo chachamim l'ont rétorqué, on est arrivé au bout, on dit non, on ne le laisse pas dire une chose pareille. Pourquoi? Imken, yukol adam, omrim kar, kedelenakot et atzman. Si tu commences à ouvrir la porte à des expressions pareilles, il va y avoir chacun, chaque condamné à mort va commencer à nous dire, yukol adam, chacun va dire, omrim kar, ils vont dire ainsi. Que, en réalité, moi, je ne suis pas condamné à mort, mais je vais quand même partir en expiation pour le peuple d'Israël, pour l'honneur de la Shrina, pour ce que vous voulez. Et Kedelenakot et Tatsman, afin de se rendre propre, mourir fièrement. On aime dire que ça, comme la Gemara explicite aussi, pour encore faire encore mieux. Dire qu'en réalité, vous allez me tuer, mais sachez que vous n'êtes pas clair, vous, hein. Donc il va préférer finalement renoncer à son Olam Haba, au droit de faire tchouva avant de mourir, histoire de comment que le Beit Din ne réussisse au moins à ne pas dormir sur leurs deux oreilles, que tout le monde va commencer à parler, à se faire sortir des ragots contre le Beit Din, ces juges-là, ces rabbanim qui ne savent pas vraiment trancher les halakhot et tout ça. Donc Rachamim, ils ont dit, pas question, tu te repentis complètement, même sur cette faute. Tu dis que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas notre problème. Nous, on va entendre que tu dis devant tout le monde, devant toute l'assemblée qui est là, que tu dis, je fais teshuva. Et si tu ne veux pas, ben sache que tu n'auras pas fait tchouba et c'est vraiment chaval, c'est vraiment dommage pour toi. On ne le laisse pas ouvrir ajouter d'autres éléments ainsi. Histoire de compléter la scène quand même, il y a le Rambam qui rapporte, ça rapporte ici dans le Tiferet Israël, une fois qu'il a fini de se repentir, afin qu'il ne fasse pas ensuite des entourloupes et de lui alléger ensuite la douleur de la sentence. Alors, Achar Sheitvada, après qu'il s'est repenti, on lui fait boire un grand verre de vin, en mélangeant dedans un court chiltit, une petite quantité de chiltit, c'est une certaine épice, je ne sais pas exactement pourquoi. Quel est le but, quel est l'intérêt? Afin de le saouler, de l'enivrer, de manière à ce qu'il ne va plus ressentir la douleur de la mort, de manière aussi à ce qu'il ne va plus revenir sur ses propos aussi. Et
C'est tout pour la Mishnah. Juste un petit détail qu'on va voir tout de suite dans le Barthénois. Je voulais vous le dire au début de la Mishnah, donc on va le dire tout de suite. Ayarachok mibet askelon. On avait vu que quand il était à une certaine distance de 10 amot, 5 mètres, du bet askila, du lieu de l'exécution, alors des karov les bet askila, on ne le faisait pas prononcer ce vidouille au bord du, juste avant d'être exécuté, mais quelques mètres en arrière, en avant. Quel était l'intérêt? Des karov les bet askila, shematitrov da'ato velo yochal leitvatot. De peur que son esprit va partir, il va péter un boulon, péter un câble, il va craquer d'émotion devant le fait qu'il va être condamné à mort, il risque de ne plus être maître de ses pensées, de ses paroles, et il risque de ne plus se repentir, c'est dommage. Donc Rami m'ont dit, avant d'arriver au lieu de l'exécution, fais-lui déjà faire le vidouille. D'accord, chez Matitrov, d'ato de peur que son esprit va s'embrouiller, velo yachol, velo yuchal, itvadot, il ne pourra pas ensuite prononcer le vidouille, se repentir. Veten lotoda, et prononce une reconnaissance, un vidouille. Veaf algab, confesse-toi, c'est le mot en français, se confesser, sauf qu'on ne se confesse pas devant un homme, on se confesse devant Hachem, quand on fait Tshuva, quand on fait le bidouille, d'accord? Veten lotoda, confesse-toi devant Hachem. Veaf algab, de'en adam ne'erag al piatzmo, arigatacha noracha, et ta. Le Barthénois vient résoudre un autre problème technique, que l'histoire de Achad, elle ne rentre dans aucune règle de la Torah. C'est pas quelqu'un qui vient au Bedin et qui reconnaît que j'ai transgressé Shabbat hier, ben Mézid. J'ai fumé une cigarette pendant Shabbat et je veux maintenant faire Tshuva et me faire tuer. Ça n'existe pas. Pour se faire tuer, il faut nécessairement avoir deux témoins. Comment c'est possible qu'Achan a été condamné par sa propre parole? C'est ce qu'on appelle Horacha. Il y avait une halakha particulière là-bas qui a été donnée uniquement pour cette époque et rien pour aucune autre, qu'on n'apprendra pas pour les générations à venir. Mais Kazot Vechazot Asiti, ça c'est Achan qui disait j'ai fait telle et telle et telle faute, donc on apprend là-bas qu'il a fait plusieurs averot. Bagma Mefaresh. Shema'al becharabim b'me Moshe, la Gemara explicite qu'il a en réalité transgressé, il a fait des sacrilèges, même depuis l'époque déjà de Moshe Rabbeinu. Shehu mezumam, ah ça c'est l'histoire avec Rabbi Yehuda qui nous disait, s'il sait que son jugement a été truqué, Sheheda vemzomemin, qu'il avait des témoins faux, qui étaient d'accord, qui ont été payés, peu importe, donc il pourra dire que ma mort soit l'expiation de toutes mes fautes, sauf cette dernière faute. Et Chachamim n'était pas d'accord, de peur que chacun va venir dire, parler ainsi, les Dakot et Tatsman pour se mourir en fier, les Dakot et Tatsman bien Briot, pour mourir fièrement et proprement aux yeux des Briot, aux yeux des hommes, et en plus de ça, Beyotsi ou la Azala Dayanim, Vala Edim, et en plus de ça, ils vont faire courir des ragots sur le manque d'objectivité et de franchise et tout ça, des juges et des témoins. Ven al-Achak Rabbi Yehuda, l'Alakha n'est pas établi comme Rabbi Yehuda, donc on ne le laissera pas dire, d'ajouter cette phrase en disant sauf cette phrase, mais il devra se repentir même sur cette faute, même si selon son propos il ne l'a pas transgressé, c'est plus un problème. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.